Que faire après le bac? Le 22 mars 2013, le lycée Joseph Bernocq du Lorrain a proposé à des lycéens de découvrir leurs différentes sections lors du salon des métiers et de la formation. Différents corps de métiers étaient présents, tels que le BTS après-vente automobile du lycée Acajou 2, le CAP art floral du lycée Joseph Bernocq du Lorrain. Les jeunes ont pu découvrir un nouveau BTS qui recevra sa première promotion en septembre au lycée du Lorrain, celui du BTS Métier de l'eau. Alors nous avons aussi un lycée qui nous a adressé des élèves, c'est le lycée de Sainte-Marie. Et surtout, nos lycéens découvrent également non seulement leur lycée, les différentes sections du lycée, mais également nous avons des invités d'autres lycées, puisque nous avons invité les autres lycées à présenter des sections que nous n'avons pas. Donc c'est l'occasion pour nos élèves de découvrir notamment le post-bac, le BTS, etc. Ou encore le BTS Banque du lycée professionnel de Dillon. Le BTS Banque a été ouvert donc, au lycée de Dillon en septembre 2010. Nous accueillons donc cette année la troisième promotion. Parce que quand on regarde la pyramide des âges en banque, nous avons une assez forte proportion de salariés qui ont aujourd'hui plus de 50 ans, ou disons ou même plus de 55 ans. Donc le marché est relativement ouvert encore. Et il y a donc des opportunités pour des jeunes qui sont désireux de travailler dans ce domaine-là. Les jeunes ont pu faire leur choix pour leur avenir parmi les différents stands. Pour plus de renseignements sur les différentes filières proposées, rapprochez-vous de votre établissement scolaire ou du lycée Joseph Bernocq du Lorrain.